On se retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo des coloriages terminés. Donc là, c'est pour le mois de mars. J'ai quasiment oublié de vous la filmer. Heureusement que je m'en suis souvenue lorsque je vous ai fait un rush de vlog. Sinon, ça passe à la trappe. Bilan, j'ai regroupé tous les coloriages que j'ai fait au mois de mars et ceux qui étaient en commun, mais qui datent déjà d'avant. Enfin, voilà, que c'était des défis, tout ça. Donc j'en ai ressorti. J'ai été détaché un du mur de ma fille parce que bah, celle qui l'avait. Donc celui-ci, il va être dévoilé aujourd'hui lors du reveal du défi communautaire de Kili. Ça fait depuis un moment que je l'ai fini. Il est fini depuis début avril. Non, on est en avril, meuf. Début février, je crois. Je vais dire. Donc celui-ci, voilà, on devait mettre en couleur un de nos héros de notre enfance. Et moi, je kiffais Barbie, mais je n'avais pas le droit d'avoir de vraie Barbie. Voilà, donc moi j'avais des Sunday. Mais voilà, donc j'ai voulu faire un petit colo Barbie pour qui. Donc qu'est-ce que j'ai utilisé pour ça? Est-ce que je l'ai noté ce colo? Ça fait tellement longtemps. Ah oui, non, ça date même de janvier, c'est vous dire si c'est vieux. Donc le fond, c'est du pan pastel. J'ai que des pastels en pan pastel. Donc les cheveux au poli. J'ai mis un peu de artistro. La peau au brut fineur macaron. J'ai mis du spray paillette partout, mais bon, je pense que vous ne verrez pas grand chose. Spray paillette action, là vous en mettez partout, enfin c'est juste l'horreur. Voilà, et là j'ai remarqué que j'ai même le l'embout qui s'est pété. Je l'avais déjà ramené un coup parce que il était pété dans l'embout, dans le packaging, et là j'ai le là c'est celui qui est, il est pas cassé hein, mais le rose, moi il est pété. Voilà, j'ai le truc qui s'est voilà, sympa. On ne demande pas forcément ces trucs là. Là, j'en ai partout. Tu vois. Pour ça, j'ai utilisé l'aquarelle. Non, je n'ai pas utilisé. Si. Je ne l'ai pas noté, mais c'est la palette Paul Rubens. J'ai mis des stickles. Là et là. Ça, vous voyez. Du glossy accent dans les yeux et dans les lunettes. Sinon, bah, la robe et la tenue, c'est du poli. Voilà. Pour ma petite Barbie. La luminosité n'est pas fofolle encore aujourd'hui. Hein. Voilà pour cette petite Barbie. Donc, oui, qui date de janvier quand même. Il va falloir que je la remette au mur de ma city. Ensuite, lors du dernier... colo terminé, j'étais en train de faire celui-ci, donc en live celui-ci, il a été fait en majeure partie. Donc c'est marque-page du bloc mini portrait. J'ai utilisé les combos de Mademoiselle Disneyland. Le fond, c'est de la peinture aquarelle avec calligraphie. Et le tour, c'est du Posca noir. Et voilà, il y a du jelly roll blanc. Il n'attend plus que son fond. Il y a plusieurs, ils attendent leur fond et de se faire plastifier la tronche. Ensuite, nous avons. Je vais mettre ça au début. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai entamé mon adorable Characters Cuteness Overload de Deria Carquezoy. C'est du papier Amazon, malheureusement. Voilà. Mais bon. J'ai voulu tenter et j'ai fait ce petit colo, donc la Cathy Cat, avec du Prisma, du Poly, Pentel Hybride, Jelly Roll Blanc. Voilà. Je coupe de tous les côtés hein, pour que vous puissiez voir quand même là où j'ai mis le stylo hybride. Mais voilà.
Mais tout et je l'aime beaucoup. Et bon voilà, papier Amazon, je ne suis pas fan. Et clairement le fond. Je m'embête pas. Voilà pour celui-ci. Ah, j'ai mis tout en bas du coup. Parce que j'avais celui-ci aussi en cours lors de la dernière vidéo clôt terminée. Je pense pas que vous l'avez montré, je sais plus. Franchement, je sais plus. Parce que je l'ai. Il a été fait, oui, il a été fini le 5 mars celui-ci. Donc, mystère dans le Love Story. Donc, Bambi, j'en voulais un qui n'était pas trop compliqué. C'est le seul qui n'avait pas trop de teinte. Un petit peu trop orangé à mon goût. Du coup, c'est fait avec les Brutuner Square, les 180, un petit peu de Prisma, du washi. J'ai pas fait les tours noirs. Voilà. Mais voilà pour celui-ci. Qui m'a permis d'entamer ce livre. Ensuite, j'ai entamé encore un autre livre. Un livre que Paz m'avait envoyé, si je ne m'abuse, lors du dernier. C'était un haul, c'était quoi que j'avais fait? Un unboxing, je pense. Donc, j'ai entamé ce livre qui a un papier horrible, mais voilà, j'adore l'univers de Mickey Friends. Donc, j'ai fait ce petit colo en bonne partie, en majeure partie en live. Et j'ai utilisé des prismas du Pentélibride comme d'habitude. Brut Fanart aquarellable, que je n'ai plus, j'ai revendu par le fond, je pense. Du Derwent Drawing, Signo Gold et du Derwent Intense pour les chapiteaux. Voilà pour ce colo. Le Signo Gold. Là, c'est du Hybrid Pentel, je pense. Je pense pas que j'ai utilisé le Signo. Enfin. Voilà pour ce colo. Ouais, c'est un petit peu. Pas très joli, là. Mais bon, on fera avec. J'adore Mickey and Friends. Donc, on s'adapte. Ensuite, j'ai terminé un colo en commun avec Claire, Princesse Femme 3. Donc, voilà, on devait faire celui-ci. Pour le mois de mars, si je ne m'abuse. Oui, j'ai déjà fini le prochain. Du coup, je sais pas si je vais vous le montrer, je pense. Mais voilà, j'ai été très productive. Donc celui-ci, je l'ai fait avec une color palette. Je l'ai fait une bonne partie en live aussi sur Twitch. Les liens sont en barre d'infos. Vous aurez aussi les liens de princesse. Donc j'ai eu sorti mes lumis, j'ai pris du prisma aussi. On a un petit peu de stickles dans la petite coccinelle. Voilà. Et il me change un peu de mes teintes habituelles, ce colo. Donc voilà, une page de plus dans celui-ci. Ravi. Et le fond, j'ai pas noté le fond. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris pour le fond? Ça doit être du néocolor, je pense. Ouais, néocolor. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai entamé mon bloc BFF. Enfin, vous l'avez vu dans ma vidéo le bilan de Winter Pack. Donc, j'ai fait celui-ci. Principalement au néocolore, sauf les personnages qui sont au prisma. On a du pastel crap blanc. C'est nullier. Ah bon? Pour faire quoi? Sérieusement? Ben, je ne sais pas. J'ai dû en mettre peut-être là. Franchement, je ne sais pas. Du poly, les tinted, c'était de l'air. Néocolor, ouais. C'est Julie Colo qui m'a donné les combos pour l'un des deux.
je sais plus. Et je sais même plus qui est Rocky. Enfin bon, bref. Et l'autre combo, c'est Mademoiselle Disneyland. Voilà. Ensuite, j'ai été dans le Petite Bête. Je l'ai enfin entamé. Même si il y a déjà un colo fait dedans, mais vu que c'était de l'occasion, c'était pas mon colo. Donc pour moi, je l'ai enfin entamé avec ce petit colo où j'ai utilisé les bruits de fenêtre aquarellables. Lui derrière. J'ai utilisé Pentel Hybride et Supervision. Voilà. Ouais, petit colo hyper rapide. Ensuite, encore un autre petit colo super rapide. Dans celui-ci, j'ai fait. Je sais pas comment il s'appelle, mais bon, c'est des dalmatiens. Leur petit nom, je n'en sais rien. Donc là, c'est Prisma, de l'encre action et du Jelly Roll. Voilà. Pour ce petit colo tout simple. Ensuite, j'ai été dans le Doux de l'Invasion. Voilà. Un livre qui est arrivé dans ma collection il y a peu. Et voilà, j'ai tout de suite entamé. Je le trouve. Voilà, j'ai fait ce petit colo. J'avais envie de doodle. Voilà. Les derniers de Kirby ne m'intéressent pas forcément, donc je me suis procuré celui-ci. Je me suis fait plaisir sur les doodles. Avec les Artix, voilà. C'est fait avec les Artix et j'ai mis un peu de Pentel Hybride. Ensuite, j'ai entamé mon grand carré. En classique en bodoni de chez Hachette Rose qui m'a été offert par Taz et j'ai fait cette page-ci donc la Belle et la Bête. La majorité des combos ça vient de Mademoiselle Disney et Doana comme d'habitude. Donc au Prisma, j'ai mis du Neocolor 2 pour le fond, des Albrecht Dürer pour le sol là et le banc du Pentel Hybride or. Et du Jelly Roll blanc. Là, on a du aussi. Donc voilà, assez compliqué parce que bah, il y a beaucoup d'éléments et il y a des choses qui sont en arrière-plan. On sait pas trop ce que c'est. Enfin, c'était un petit peu compliqué. Je suis pas fan de mon de lumière. Je le trouve trop foncé. Enfin, bon. Mais bon. Voilà. Elle mérite d'être fait et d'avoir entamé mon livre. Ensuite, j'ai entamé un autre livre qui était dans, enfin là, qui a rejoint ma collection il y a peu. Voilà. Donc j'ai fait un commun avec Julie. Je vous mettrai les liens, ces liens en barre d'infos. J'ai fait donc Mulan. J'allais dire Moulin, hein, bien entendu. Va falloir que je fasse un déréglage avec ma caméra parce que j'ai trop zoomé, mais bon, c'est parce qu'en stream on en a besoin. Donc là, j'ai utilisé Prisma, les Albrecht et les Drawings. Et je l'aime beaucoup. Et Neocolor 2 pour le fond. Voilà, j'ai pas noté. Comme d'habitude, j'oublie toujours quelque chose. Mais voilà. Et pour les combos. J'ai dû chercher moi-même pour le monsieur parce qu'il n'y avait pas. Et Mulan, je crois que c'est moi aussi qui ai cherché parce que ce qu'on a, c'est pas la bonne tenue. Ou... Enfin voilà. Mais bon, voilà. Ce colo. J'ai un encours dedans, du coup, pour le Blue Link de Morgane. Et ensuite, celui-ci. Bah, je ne sais pas si je vous le montre du coup. Que c'est mon colo commun avec Princesse et il faudra peut-être plus que je vous le montre le mois prochain. Je sais pas ce que je fais, si je vous le montre maintenant ou pas, parce qu'elle n'a pas encore commencé, donc non, je vais pas vous le montrer, mais je l'aime beaucoup ce colo, je l'aime beaucoup, donc oui, je vous le montrerai
le mois prochain. Donc je vais vous montrer du coup mon encours. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mon encours. Enfin bon, bref. Voilà. Donc c'est la page à écrire des ours, hein, celle qu'il y a à faire pour le Blue Link. Donc j'ai cet encours-ci. Celui pour le fil violet. Je vais le finir aujourd'hui. Donc Tilt et Princesse Sata. Voilà, dans le carré portrait. Donc j'ai celui-ci à faire. Et Jafar aussi à faire ce mois d'avril. Donc aujourd'hui on est le 31. Donc je vais finir celui-ci aujourd'hui. Donc voilà. Pour les colos terminés du mois de mars. J'ai été vachement productive. Je suis contente. Je pense pas que ça va durer parce que y a forcément un moment où il va falloir que je reprenne le travail. Mais voilà. Et quand je vais me faire opérer des canals carpiens aussi, là je pense que ça va faire mal. Mais je suis contente voilà, d'avoir un bon rythme de colo et ça m'aide beaucoup. Ça me fait du bien. Donc je vais continuer ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Des gros bisous. Et bonne fin de week-end. J'espère que vous avez beau temps parce que moi je suis ici. Allez. Ciao.